On va faire donc les tumeurs du rectum. Première diapo, c'est juste pour vous dire que c'est un véritable enjeu de santé publique, hein, le cancer du rectum. C'est très important. Il y a quelque chose qui évolue et que vous devez bien avoir en tête, c'est que on dit toujours le cancer du côlon ou du rectum, l'âge moyen c'est 70 ans. Il y a quand même quelque chose qui se passe dans le cancer du rectum, c'est qu'on a, et il suffit d'aller à l'hôpital pour le constater, qu'on a de plus en plus de sujets jeunes. Et vous voyez qu'on considère, on estime qu'il va y avoir une augmentation de 124% du taux de cancer du rectum pour les patients qui auront entre 20 et 34 ans en 2030. Donc, c'est une augmentation très significative qui atteint les sujets jeunes. Prenons une observation assez classique. Cancer du rectum chez un homme de 71 ans, bon état général. Il consulte pour des rectorragies qui sont peu abondantes. Il a comme comorbidité une hypertension artérielle et une hypercholestérolémie. Au toucher rectal, on met en évidence une tumeur qui est située à environ 5 cm du bord supérieur du sphincter externe, sans que l'on puisse palper le pôle supérieur de la tumeur. La tumeur est mobile. L'examen clinique est sans particularité. Il a des marqueurs tumoraux ACE et CA19-9 normaux. Il vient vous voir avec le résultat d'une rectosigmoïdoscopie qui décrit une lésion hémicirconférentielle qui est bourgeonnante, qui s'étend jusque sur 3 cm et qui est située à la partie moyenne du rectum. Les biopsies de cette lésion ulcérée qu'on voit là, ulcéro-bourgeonnante, ça saigne parce qu'il y a eu des biopsies. Les biopsies concluent à un adénocarcinome liberculien bien différencié. Comme première question dans le cancer du rectum, c'est quels sont les 4 examens qui sont nécessaires à la décision thérapeutique? Il faut bien comprendre que dans le cancer du rectum, il y a dans le bilan, je ne parle pas du bilan d'opérabilité du malade qui sera vu avec la consultation d'anesthésie, je parle du bilan du cancer. Dans le bilan du cancer, il y a 2 choses différentes. Il y a le bilan d'extension locale et le bilan d'extension à distance. Le bilan d'extension locale, il permet de définir le degré d'envahissement de la tumeur dans la paroi, c'est ce qu'on appelle le T. Il permet de définir aussi s'il y a des ganglions autour du rectum, dans le gras, qui s'appelle le mésorectum. Il permet de voir aussi, eh bien, si la tumeur, de l'autre bout de la tumeur, si on est proche de l'enveloppe qui entoure le rectum, c'est ce qu'on appelle la marge circonférentielle. Ça, c'est le bilan d'extension locale. Et puis, il y a le bilan d'extension à distance, c'est je recherche des métastases. Les métastases du rectum, c'est comme dans le côlon. Les métastases sont au niveau du foie et au niveau du poumon. Premier examen, vous avez vu que sur la diapositive précédente, je vous ai dit qu'il avait eu une rectosigmoïdoscopie. La rectosigmoïdoscopie, par définition, c'est le rectum est sigmoïde. Il n'est pas question de ne pas avoir une cartographie exacte de ce qui se passe dans le reste du côlon. Et donc, quand vous avez un patient qui vient avec une rectosigmoïdoscopie, eh bien, il faut impérativement avoir une coloscopie complète à la recherche de lésions synchrones. Les lésions synchrones, c'est 10, 15, 20% des cas. Je parle des polypes et des cancers, il y a 5% de cancers synchrones. Donc, c'est essentiel. Ça, il faut, bien sûr, quand vous avez un dossier avec un malade chez qui vous demandez une coloscopie complète avec d'éventuelles biopsies, il faut s'assurer que le malade soit passé sous anticoagulant, sous agrégant plaquettaire. Il faut lui faire une préparation colique, sauf si vous avez des signes d'occlusion. Et donc, cette coloscopie complète est nécessaire pour faire le bilan local, quoi local, pas local, le bilan sur le reste du côlon. Sinon, deuxième examen, recherche de lésions à distance, c'est le scanner abdominopelvien et thoracique pour rechercher donc des métastases pulmonaires et hépatiques en l'absence d'allergie à l'iode ou d'insuffisance rénale. Ça, c'est donc le scanner, c'est le seul examen suffisant et nécessaire pour faire le bilan d'extension à distance. Le bilan d'extension locale dans le cancer du rectum, il y a 2 examens. Il y a d'une part l'écho-endoscopie et l'IRM du rectum pour faire donc l'extension T de degré de pénétration de la tumeur dans la paroi et N, est-ce qu'il y a des ganglions dans le mésorectum. On ne vous demandera jamais en D2, D4 de savoir s'il vaut mieux faire une écho-endoscopie ou une IRM.
Pourtant, il y a deux petites choses qui sont un peu différentes de ces, entre ces deux examens. C'est-à-dire que l'échoendoscopie est nettement meilleure pour différencier des tumeurs superficielles, les tumeurs T1 quand la tumeur va dans la muqueuse et la sous-muqueuse, une tumeur T2. Par contre, l'IRM est largement meilleur pour différencier les tumeurs T3, T4. Et la deuxième chose que fait l'IRM et que ne fait pas l'échoendoscopie, c'est qu'elle évalue ce qu'on appelle la marge latérale, ou ce qu'on appelle la marge circonférentielle. La marge circonférentielle, c'est la plus petite distance qu'il y a entre bien, le fond de la tumeur et l'enveloppe qui entoure le mésorectum. Cette enveloppe, c'est ce qu'on appelle le fascia recti. Le mésorectum, c'est tout le gras qu'il y a dans le blanc, là, tout le gras qui contient des éléments ganglionnaires et lymphatiques, quoi, lymphatiques et vasculonerveux, qui sont destinés au rectum. Et c'est dans ce mésorectum que se développe la tumeur quand elle franchit la paroi du rectum et là où il y a des ganglions. Et donc cette marge circonférentielle, bien, par définition, quand vous faites une échoendoscopie dans la lumière, vous ne la voyez pas, alors que c'est l'IRM qui permet de déterminer la flèche rouge ici, la flèche rouge ici, ce qu'on appelle la marge circonférentielle. Et vous voyez que pour le N, bah, échoendoscopie et IRM font la même chose. Donc l'échoendoscopie, c'est mieux pour les tumeurs superficielles, l'IRM, c'est mieux pour les tumeurs T3, T4, les grosses tumeurs, et l'IRM, c'est l'examen de référence pour avoir la marge circonférentielle. Et pourquoi cette marge circonférentielle, c'est quelque chose de si important? C'est que c'est le facteur pronostique majeur dans le cancer du rectum. Quand on a une marge circonférentielle qui est positive, c'est-à-dire inférieure ou égale à 1 mm, alors c'est un facteur de risque de récidive locale, de récidive métastatique à distance, et c'est un facteur donc qui influe à la fois la survie sans récidive et bien sûr la survie globale. Et que quel est l'examen qui permet de mieux la définir? Eh bien, vous voyez que c'est l'IRM du rectum. L'IRM du rectum, eh bien, est très bonne. C'est le meilleur examen, c'est la courbe verte, pour déterminer la marge circonférentielle. C'est un bon examen aussi pour déterminer le T, mais en particulier pour les tumeurs T3, T4. Vous voyez que le N, eh bien, la sensibilité et la spécificité sont beaucoup moins bonnes que que quand on regarde le T ou la marge circonférentielle. Donc la marge circonférentielle dans le rectum, c'est quelque chose de fondamental. Il faut bien vous l'entendre et que vous l'entendiez. Je poursuis cette observation. Ce malade, il a eu les deux examens. Il a eu l'échoendoscopie. L'échoendoscopie, elle dit, ben, il y a une tumeur de 26 x 8 mm d'épaisseur avec un pôle inférieur situé à 3 cm du bord supérieur du sphincter sur la droite, à cheval, sur le moyen et le bas rectum. Vous pouvez avoir à vos examens un compte-rendu d'échoendoscopie qui vous dit la musculeuse est franchie, il existe des adénopathies satellites. On peut vous demander après cet examen quel est le stade de la tumeur. Bien, à partir du moment où la musculeuse, c'est-à-dire la paroi du rectum, est franchie et que la tumeur va dans le mésorectum, c'est une tumeur qui est T3. À partir du moment où il y a des ganglions dans le mésorectum satellite, on dit qu'elle est N+. Donc, si on doit, sur les données de l'IRM, de l'échoendoscopie, dire quel est le stade, eh bien, on dira US en petites lettres pour ultrasound, US T3 N+. On peut vous donner IRM. L'IRM, on vous dit, bah, c'est une tumeur du moyen rectum avec une extension focale dans la graisse du mésorectum. Vous avez ici votre paroi du rectum et vous voyez que la tumeur, eh bien, elle franchit un peu, elle va dans le gras là qui est ici, elle va un peu dans le gras. Et donc il y a une extension focale dans le mésorectum, dans le gras autour du rectum. Il y a des adénopathies pathologiques dans le mésorectum. On voit ici par exemple un ganglion dans le mésorectum, vous le voyez ici, on le revoit ici. Eh bien, sur l'IRM, on dira que c'est une tumeur donc, qui franchit la paroi du rectum et qui va dans le mésorectum, donc c'est une tumeur T3, N+, puisqu'il y a des ganglions pathologiques dans le mésorectum. Mais cette fois-ci, on ne mettra pas US pour ultrasound, on mettra C comme clinique, ce n'est pas I comme IRM, c'est C, T3, N+, C pour clinique, même si c'est un peu bizarre pour vous, mais C, c'est la classification initiale du cancer du rectum en IRM. Et donc, quand on vous demande quel est le stade T, le stade N de la tumeur sur le bilan initial, à partir du moment où on vous dit que le scanner ne montre pas de métastase à distance, ni au niveau du foie, ni au niveau des poumons,
qu'il y a un franchissement de la musculeuse en écho en deux ou en IRM et qu'il y a des ganglions en mésorectum, eh bien, on peut dire que c'est une tumeur UST3N+ ou CT3N+ si on vous donne l'IRM. Quand on a une tumeur classée T3N+ en échoendoscopie en IRM, donc le scanner donc est M0, est-ce que vous proposez un traitement préopératoire? Si oui, lequel et pourquoi? C'est fondamental pour vous de comprendre que, contrairement au cancer du côlon, pour lequel il n'y a aujourd'hui pas de traitement préopératoire qui soit validé, dans le cancer du rectum, c'est très différent. Il y a un traitement préopératoire. Et jusqu'à l'année dernière, eh bien, ce traitement préopératoire était une association de radiothérapie et de chimiothérapie, mais vous allez voir que les choses ont beaucoup évolué et le standard dans le cancer du, les standards dans le cancer du rectum ont complètement changé. Pourquoi faire un traitement préopératoire? Eh bien, c'est pour diminuer le volume de la tumeur avec comme objectif eh bien, d'améliorer, de diminuer le risque de rechute locale et de diminuer aussi le risque de rechute métastatique à distance. Et donc, on fait un traitement local pour diminuer le volume de la tumeur, pour augmenter les marges et en particulier la marge circonférentielle, puisque la tumeur, elle diminue, eh bien, on améliore les marges, on diminue le volume des ganglions, voire même on stérilise quelques ganglions. Et c'est donc juste pour, c'est pas juste, c'est essentiel, pour diminuer le taux de récidive locale et le taux de récidive à distance. Quelles sont les indications des cancers, du traitement préopératoire dans le cancer du rectum? Eh bien là, il faut que ça soit assez clair. C'est toutes les tumeurs qui sont classées T3, T4 et ou N+, ou une tumeur avec une marge circonférentielle qui est inférieure à 2 mm. Moi, je pense que pour vous, c'est uniquement ce qu'il faut retenir. Pour quelques experts en RCP, on dit bien on peut aussi faire un traitement préopératoire pour les tumeurs plus petites du cancer du rectum. Je vous ai dit que donc c'est pour les tumeurs T3, T4 et ou N+, ou les malades qui ont une marge circonférentielle inférieure à 2 mm. Vanessa? Mon téléphone, s'il vous plaît. Et avec un but, avec un objectif de limiter le risque de récidive locale, d'améliorer et de diminuer le taux de métastase, d'augmenter les marges et de favoriser la conservation de l'anus, voire même dans certains cas, de ne plus opérer. Mais ça, c'est trop tôt pour vous en D2 ou D4. On ne vous posera pas cette question-là. Le traitement, eh bien, jusqu'il y a l'année dernière, le traitement reposait sur une association radiothérapie avec une chimiothérapie orale. Le chimiothérapie orale, c'est du 5-FU, c'est du Xeloda, et on mettait ça sur 5 semaines. Dans certains cas, eh bien, on faisait une radiothérapie courte, c'est-à-dire sur 5 jours, et puis on opérait les malades 8 à 10 semaines plus tard. Donc, mais ça, c'est un tout petit peu ancien. Moi, ce que je voudrais que vous reteniez de cette diapositive, c'est que le traitement préopératoire d'un cancer du rectum, c'est cancer T3, T4 et ou N+, ou un malade qui a une marge circonférentielle inférieure à 2 mm en IRM, tout ça c'est en IRM, avec comme objectif de diminuer la rechute locale, d'améliorer la survie, d'entraîner une fonte tumorale et de favoriser ou d'aller jusqu'à la préservation du sphincter. La question qu'on se posait souvent, c'est juste pour vos discussions du déjeuner du dimanche, c'est une fois qu'on avait fait le traitement préopératoire, quand est-ce qu'il fallait opérer les malades? Est-ce qu'il fallait les opérer 6-8 semaines, c'est-à-dire 2 mois après, ou il fallait qu'on attende presque 3 mois? La réponse, elle a été obtenue dans une étude, ce qui est celle-ci. Il ne faut pas attendre au-delà de 8 semaines après la fin du traitement préopératoire pour opérer les malades, parce que si on attend trop, 10-12 semaines, eh bien, on augmente le taux de complication de l'opération et le fait d'attendre n'améliore pas la survie. Et donc, finalement, aujourd'hui, quand on fait un traitement préopératoire, et on va revenir sur exactement quel traitement en 2021, eh bien, on doit attendre 8 semaines 8 semaines
entre la fin du traitement préopératoire et l'intervention chirurgicale. Je vous ai effectivement dit que le traitement a été modifié en 2020 à la suite du résultat de ces deux études, et ça, il faut que vous l'entendiez. C'est toujours pareil, c'est toujours les tumeurs T3, T4 ou N+, dans les deux essais. Il y a un premier essai qui est un essai français où, plutôt que de faire de la radiochimiothérapie, comme je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, ils essayaient de faire une grosse chimiothérapie avant. Donc, on faisait chimiothérapie par voie intraveineuse, puis une radiochimio, puis on faisait la chirurgie 8 semaines après, par rapport à ce qu'on faisait d'habitude, qui est on fait radiochimio et puis on fait l'exérèse totale du mésorectum. La deuxième étude, c'est on fait une radiothérapie courte sur 5 jours et ensuite on fait une chimiothérapie par voie intraveineuse pendant 3 mois et ensuite on opère les malades. Eh bien, dans ces deux essais, les deux essais qui sont ici, donc en bleu, ce sont les nouveautés, eh bien, et en blanc, c'est le traitement standard. Vous voyez que c'est le même dans les deux cas de figure. Eh bien, dans ces deux études, il a été montré que soit dans cette étude, le fait de faire de la chimio avant une radiochimiothérapie longue, avant l'opération, ben ça, c'était mieux que la radiochimiothérapie classique. Et pour l'essai hollandais, eh bien, le fait de faire une radiothérapie courte sur 1 semaine, puis de faire de la chimio, puis d'opérer les malades, eh bien, c'était mieux que de faire la radiochimio classique avec la chirurgie 6-8 semaines après. Donc, vous avez les deux nouveaux standards dans le cancer du rectum avec l'étude Prodige 23. Vous voyez, ça, c'est le bras expérimental. Eh bien, ça augmente les réponses complètes après chimiothérapie, après traitement. Vous avez l'essai Rapido. Rapido, c'est je fais une radiothérapie courte, puis je fais une chimio. Et vous voyez que, pareil, le taux de réponse complète est amélioré. Et quand on regarde eh bien, la survie, eh bien, quand on fait une chimiothérapie, une vraie chimio intraveineuse, suivie d'une radiochimiothérapie orale, suivie de l'opération, eh bien, ou qu'on fasse une radiothérapie courte sur 1 semaine et qu'on fasse une vraie chimiothérapie intraveineuse, eh bien on fait dans les deux cas mieux que quand on fait une radiochimiothérapie classique sur la survie sans récidive métastatique à 3 ans, ou quoi, sur la survie sans maladie, ou sur la survie sans métastase. Donc aujourd'hui, ce sont les deux nouveaux standards dans le cancer du rectum. Une fois qu'on a fait le traitement préopératoire, donc je vous rappelle que je redis les choses, dans tous les cancers T3, T4 et ou N+, où les malades qui ont une marge circonférentielle inférieure à 2 mm en IRM, ils ont un traitement préopératoire. Ce traitement préopératoire, c'est deux nouveaux traitements. Les deux nouveaux traitements, c'est chimiothérapie par voie intraveineuse, FOLFIRINOX, suivi d'une radiothérapie avec une chimio orale. Et puis, 6-8 semaines après, on fait l'opération. Le deuxième type de traitement qu'on peut donner, c'est une radiothérapie courte sur 1 semaine. On fait 3 mois de FOLFOX, puis ensuite, on opère les malades. Et une fois qu'on opère les malades, quel est le principe du traitement? Le principe du traitement, eh bien, c'est l'exérèse, on va voir, donc, de la tumeur, du rectum. En préopératoire, vous verrez dans vos bouquins qu'il y a toujours l'information du malade, l'immunonutrition. Préopératoire, on donne de l'oral impact pendant 5 jours pour augmenter les défenses immunitaires. Dans le cancer du rectum, on fait une préparation colique, on purge le côlon pour pouvoir avoir un côlon bien préparé pour faire l'opération. Et puis, on va probablement faire une stomie pour protéger la suture. Et c'est pas mal de montrer les malades à une stomathérapeute en préopératoire. Pendant l'intervention, c'est célioscopie ou laparotomie ou robot. On ne vous demandera jamais de choisir. Le premier temps, c'est qu'on explore la cavité abdominale pour voir s'il y a des métastases dans le foie, dans le péritoine, ce qu'on appelle une carcinose péritonéale. On doit lier l'artère mésentérique inférieure à son origine. Ça, c'est le curage mésentérique inférieur dans un cancer du rectum. On va lier la veine sous le pancréas pour permettre au côlon de bien descendre. On fait l'ablation du rectum qu'on appelle la proctectomie et on fait l'exérèse complète ou totale du mésorectum. C'est pour ça que vous verrez l'exérèse totale du mésorectum, ça fait ETM, mais en anglais, c'est TEM pour total mésorectum
exigeant. Donc, quand vous verrez dans vos bouquins, la TME, vous avez vu sur ma diapo, la TME, c'est total mésorectal excision. Ça veut simplement dire qu'on fait l'exérèse complète ou totale du mésorectum dans le cancer du moyen et bas rectum. Et puis, on fait une suture entre le côlon et le rectum ou le côlon et l'anus protégés pendant par une iléostomie pendant 2 mois. C'est pour expliquer ce que c'est là, juste le mésorectum. Et quand on enlève le mésorectum, l'exérèse complète du mésorectum, eh bien, ça correspond à quoi? Ce mésorectum, je vous l'ai dit, c'était le tissu cellulo-graisseux qui entoure le rectum, dans lequel il y a des éléments vasculonerveux et lymphatiques. Et il est entouré d'un fascia qu'on appelle le fascia recti. Vous voyez ici une coupe. Une vue péropératoire, vous avez ici le mésorectum et puis vous voyez bien, il faut me croire, que vous avez ici un feuillet qui s'appelle le fascia recti. Eh bien, il faut faire une exérèse du mésorectum en passant en dehors du fascia recti. Il ne faut pas rentrer dans le mésorectum, faire des plaies dans le mésorectum. Parce que quand on fait des plaies dans le mésorectum, eh bien, on fait une ablation incomplète et la qualité de l'exérèse du mésorectum est un facteur pronostique dans le cancer du rectum. Vous voyez un beau mésorectum, là, une face postérieure, tout à fait lisse, tout à fait intègre. Là, vous voyez le même mésorectum avec une plaie ici, une plaie de moins de 5 cm, mais une plaie. Puis là, vous avez un mésorectum qui est complètement déchiqueté. Eh bien, vous voyez que le taux de récidive locale à 2 ans, eh bien, quand on a un mésorectum complet, eh bien, on diminue de façon très significative le taux. Ça, c'est un mésorectum incomplet. Ça, c'est un mésorectum complet. Et on a une diminution très significative du taux de récidive locale quand on fait une chirurgie bien propre du mésorectum. On vous demande souvent, vous posez souvent la question, mais c'est quoi la marge distale? Qu'est-ce qu'on doit laisser comme paroi sous la tumeur pour pouvoir, dans le cancer du rectum, avoir une ablation complète? C'est vrai, on se pose uniquement la question, bien sûr, dans les cancers du bas rectum, puisque quand on a un cancer du moyen rectum et qu'on enlève tout le rectum, on a forcément une marge qui est largement suffisante en bas. Eh bien, parce que vous savez que dans le cancer du côlon, on dit qu'il faut faire la colectomie en sectionnant le côlon en zone saine, 5 cm au-dessus, 5 cm en dessous. Est-ce que c'est vrai pour le rectum? Eh bien, la réponse, c'est non. C'est que pour le rectum, une distance pour le cancer du bas rectum, une distance de 1 cm entre la section du chirurgien et le pôle inférieur de la tumeur suffit. Donc, c'est 1 cm pour les cancers du bas rectum. Vous avez donc ici les grands principes. Ce que je vous ai dit, c'est que donc on ne va pas parler des cancers du haut rectum, puisque le cancer du haut rectum, eh bien, on fait exactement comme dans le cancer du côlon. On les associe toujours au cancer du côlon. Cancer du haut rectum, où on fait bien l'exérèse de la tumeur, on se met 5 cm en dessous et on coupe. Je parle ici des cancers du moyen et bas rectum, donc c'est entre 0 et 5, 5 et 10 cm. Eh bien, entre 0 et 5 et 5 et 10 cm, on fait l'exérèse en dehors du fascia recti, on fait l'exérèse complète du mésorectum. Et puis, si on a une marge supérieure à 1 cm sous le pôle inférieur de la tumeur, on peut conserver du rectum ou de l'anus et faire la suture. Sinon, on est obligé de faire une amputation du rectum. Vous comprenez ici que vous avez une tumeur du rectum. Eh bien, on a la place ici. On a 1 cm pour pouvoir sectionner le rectum sous la tumeur et faire une suture entre le côlon qui est au-dessus et le rectum. Pour une tumeur qui est un peu plus basse, on peut sectionner au niveau de l'anus, au-dessus de la ligne pectinée. On a notre 1 cm et on peut faire une suture entre le côlon et l'anus. Ça, c'est pour les tumeurs qu'on appelle de type 1, mais c'est pas pour vous n'avez pas besoin de comprendre ça. Vous avez besoin de comprendre qu'une marge de 1 cm sous le pôle inférieur de la tumeur permet de conserver le sphincter, ce qu'on parle de sphincter externe, donc de conserver l'anus et de ne pas faire de poche définitive. Pour les tumeurs qui sont... Donc une fois qu'on a, pardon, et quand on a sectionné le rectum, eh bien on a un rectum qui est coupé. Eh bien avant on prend le côlon et on va le suturer au niveau de la partie très basse du rectum ou de l'anus, et on peut faire un réservoir
Ça, c'est vous. Vous n'avez pas besoin de le savoir, mais je vous le dis, un réservoir ou une suture latérale, où on peut faire même une suture directe. Vous avez là la règle de 1 cm pour bien comprendre. Et là, vous avez le rectum avec un beau mésorectum antérieur, un beau mésorectum postérieur. Ça, c'est trop compliqué. Quand on n'a pas, excusez-moi, je finis. Voilà. Quand on n'a pas la possibilité d'avoir ce centimètre sous la tumeur, ou quand on a une tumeur qui envahit le sphincter externe, c'est-à-dire ce qui permet de contracter l'anus, on doit faire une amputation abdominopérinéale. L'amputation abdominopérinéale consiste à enlever le sphincter externe, et donc enlever l'anus et à remonter comme ça pour rejoindre le mésorectum. Cette amputation abdominopérinéale, donc on ferme l'anus, on incise de façon elliptique autour de l'anus et puis on remonte comme ça jusqu'en haut. Bien évidemment, quand on sacrifie l'anus, on est obligé d'avoir une colostomie terminale définitive. Et donc, cette amputation, on ne la fait que dans deux cas, quand on a une marge distale inférieure sous la tumeur qui est inférieure à 1 cm, ou quand on a un envahissement du sphincter externe, c'est-à-dire du sphincter qui contracte l'anus. Ça, c'était juste pour parce que j'aime bien moi poser ce genre de questions quand vous faites vos examens. Donc le malade, il a eu une opération, c'est-à-dire qu'on considère qu'il a eu l'ablation du rectum, la suture entre le côlon et le rectum, protégée par une iléostomie. L'iléostomie qui permet de dériver les selles pendant 2 mois et pour que ça cicatrise en bas. Et une fois qu'on a ça bien cicatrisé, je vous rappelle qu'on ferme l'iléostomie. Mais là, vous êtes donc au 5e jour de l'intervention, vous faites la visite, le malade a 39, il est tachycarde, il est météorisé et puis sa stomie ne donne pas. Et quelles complications suspectez-vous? Eh bien, on suspecte une suture qui n'est pas étanche, c'est ce qu'on appelle une désunion de l'anastomose ou une fistule anastomotique responsable d'un abcès pelvien. Et ça donne comme symptôme une fièvre, une occlusion, puisque l'intestin grêle se paralyse au contact du foyer de l'abcès. Donc, ça donne que l'intestin grêle se paralyse et donc la stomie n'est pas beaucoup productive. Ça donne un ventre météorisé. Et quelle est la prise en charge? Donc, c'est une occlusion fébrile à la suite d'une intervention. Quelle prise en charge? Eh bien, on fait des hémocultures, on fait un scanner abdominopelvien, on opacifie, on peut mettre du produit de contraste dans l'anus pour voir s'il y a une fistule. Et puis, il faut ensuite, bien sûr, drainer l'abcès. Mais on ne vous demandera pas de savoir comment vous drainez l'abcès comme vous êtes interne. Je vous ai mis externe. Quand je vous ai mis ici les raisons d'avoir une fièvre post-opératoire, ça peut être l'abcès de paroi. Donc, il faut regarder systématiquement les cicatrices quand vous avez un malade. Si on vous dit qu'est-ce que vous faites. Vous avez une malade qui a 39 tachycardes, eh bien vous regardez les cicatrices s'il y a un abcès de paroi, vous regardez les perfusions s'il y a une lymphangite, vous demandez au malade s'il y a des signes fonctions urinaires, vous faites un ECBU pour éliminer une infection urinaire, il peut y avoir une phlébite ou une embolie pulmonaire, ça peut donner de la fièvre, donc il faut palper les mollets, demander un Doppler, des gaz du sang, éventuellement l'angioscanner. Ça peut être une pneumopathie d'inhalation, il faut ausculter, demander une radio de thorax, ou ça peut être, dans le cas de notre malade, un abcès intra-abdominal ou une fistule, et bien là, il faut demander un scanner abdominopelvien. Juste que vous sachiez un tout petit peu ce que c'est que la chirurgie du cancer du rectum quand même. La mortalité de cette chirurgie dans tous les centres et dans toutes les séries, ça va jusqu'à 2%. La morbidité, c'est-à-dire le taux de complication, c'est 30 à 40%. Vous avez donc un taux de fistule, morbidité, tout confondu, médical et chirurgical. Le taux de fistule ou d'abcès pelvien, 10 à 20%. On peut être amené à réintervenir, à réopérer les malades dans 15 à 20% des cas. Malgré tout, il y a presque
un tiers des malades qui finissent, jusqu'à un tiers des malades qui finissent avec une stomie définitive, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rétablir la continuité digestive. Et que cette fistule, cette suture qui n'est pas étanche, cette fistule au niveau de l'anastomose, bien pour nous, c'est vraiment la plaie, mais aussi surtout pour le malade, puisque c'est la première cause de mortalité dans le cancer du rectum. Ça donne des séquelles fonctionnelles, parce que quand on a un abcès pelvien, même quand on le draine, après les tissus sont très durs, très fibreux, le côlon qu'on a abaissé ne s'expand pas bien, et le malade a des selles qui sont très difficiles. Il y a un risque de stomie définitive avec cette fistule, et puis on sait que ça augmente le taux de récidive locale. Donc la fistule de l'anastomose ou de la suture entre le côlon et le rectum bas ou le côlon et l'anus, c'est quelque chose d'extrêmement important à vous de connaître. J'ai parlé des résultats en termes de morbidité un peu globale. Sachez qu'il peut y avoir aussi des séquelles sexuelles après l'ablation du rectum. Vous savez que vous avez deux grands types de nerfs qui vont innerver le pelvis. Il y a un premier plexus qui est le plexus hypogastrique sympathique qui est au niveau de L1, L2, L3, qui lui est responsable chez l'homme de l'éjaculation. Et donc, si vous faites eh bien, une plaie, quand vous sectionnez l'artère mésentérique inférieure, une plaie de ce plexus en regard de l'aorte, eh bien, il y a un risque d'avoir une éjaculation rétrograde. Vous avez ensuite plus bas et latéralement eh bien, un plexus pelvien latéral, hypogastrique, ce qui est parasympathique et qui lui est responsable de l'érection, et que si vous faites une plaie, eh bien, vous avez des troubles de l'érection après l'ablation du rectum pour cancer. Et ce taux de complications sexuelles, eh bien, c'est 20 à 40% des cas. Probablement que c'est lié, eh bien, plus on fait de cancer du rectum et mieux on maîtrise l'intervention, donc moins on a de séquelles. Mais il y a aussi toujours, malgré tout, non seulement avec la radiothérapie, mais également avec le simple fait de mobiliser le rectum, ça peut tirer sur ses nerfs. Et c'est en tout cas quelque chose dont il faut parler avant, avec, le patient. Finalement, l'examen, vous avez opéré le malade, les suites ont été simples. Le malade, l'anapath vous dit que c'est une tumeur qui est YPT2N1, 2 ganglions positifs sur 12. Il y a une marge distale de 2 cm, une marge circonférentielle de 15 mm. Il n'y a pas d'extension lymphatique veineuse ni d'engainement périnerveux. Le mésorectum est intact et l'exérèse est R0. On peut vous demander qu'est-ce que signifie le YPT2N1? Eh bien, il faut bien comprendre. Alors, d'abord, l'exérèse R0. R0, ça veut dire que l'exérèse est complète, hein. Que signifie YPT2N1? Y, eh bien, c'est pour dire que ça a été traité avant par un traitement néoadjuvant ou préopératoire. Ça veut dire yet treated. P, ça veut dire qu'on parle d'une pièce opératoire. C'est pathological. Et donc, c'est pour ça que quand vous avez ça, donc le Y, c'est yet treated, donc c'est un examen anatomopathologique après traitement néoadjuvant. P pour pathological, c'est l'examen anatomopathologique d'une pièce opératoire. T2, bien la tumeur franchit la musculeuse, mais sans la dépasser. Si elle la dépasse, eh bien, on a une tumeur qui est T3. Et N1, l'atteinte ganglionnaire de moins de 4 ganglions. Et vous voyez que initialement, on avait une tumeur qui était US ou CT3N+, traitée par un traitement néoadjuvant. Eh bien, l'examen définitif, c'est une tumeur qui est T2N1. Donc, c'est YPT2N1. La question qu'on se pose en RCP, alors j'ai bien sûr, il faut, je ne l'ai pas dit depuis le début, mais quand vous avez un cancer du rectum, a fortiori, quoi, tous les cancers, mais a fortiori un cancer du rectum, où en fait, a fortiori, quand vous avez un cancer pour lequel vous savez que vous allez discuter un traitement préopératoire, il faut toujours présenter le dossier en RCP avant de mettre en route le traitement. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez eu la colo complète, les biopsies, l'IRM et l'échoendoscopie avec le scanner, vous présentez ce malade en RCP qui dit ben, est-ce que c'est T3, T4 ou N+, ou marge circonférentielle inférieure à 2 mm, auquel cas il faut faire un traitement néoadjuvant ou non? Ou si ce n'est pas dans ce cas-là, il faut faire une chirurgie d'emblée. Donc, il faut présenter son malade en RCP avant de commencer son traitement. On rediscute du dossier en RCP systématiquement une fois qu'il a fini le traitement néoadjuvant pour valider l'intervention.
On opère le malade et on représente une troisième fois le malade en RCP avec l'examen anatomopathologique, parce que la question qui se pose et qui peut vous être posée, le malade, il est YP T2N1, est-ce qu'il faut faire un traitement post-opératoire? Eh bien, la réponse, c'est oui, par analogie avec le cancer du côlon. C'est-à-dire que si vous aviez une tumeur YP T2N0, eh bien, on ne ferait pas de chimiothérapie. Le malade est YP T2N1, a fortiori s'il était N2, il faut faire une chimiothérapie, et on fait une chimiothérapie par de l'oxaliplatine et du 5FU pendant 3 à 6 mois. J'ai mis 6 mois, mais on pourrait mettre 3 à 6 mois. Je corrige la diapo. Et donc, c'est ce que je vous disais, pour le traitement adjuvant dans le cancer du rectum, il n'y a pas de démonstration claire de l'intérêt d'un traitement post-opératoire. On dit qu'en l'absence de traitement préopératoire, eh bien, on fait comme dans le côlon, il est N0, pas de chimio, il est N+, ou R1, eh bien, il faut faire une chimio, mais pour vous, le caractère R0 et R1 ne rentrera pas en ligne de compte pour vos examens. C'est N+, ou N0 en adjuvant, en post-opératoire sur la napate, vous discuterez d'un traitement par chimiothérapie. Ça, ce sont les résultats fonctionnels. On va passer rapidement les résultats fonctionnels les résultats en termes oncologiques, mais ça, vous avez ça dans vos bouquins. Le malade a reçu donc 6 mois de chimiothérapie par FOLFOX. Son ileostomie a été fermée. Quelle surveillance instaurez-vous concernant son cancer du rectum? Eh bien là, c'est comme dans le cancer du côlon. L'objectif de la surveillance, c'est de rechercher une récidive locale ou à distance. On fait un examen clinique avec toucher rectal tous les 3 mois pendant 3 ans, puis tous les 6 mois pendant 2 ans. On fait un dosage de l'ACE plus ou moins du CA19-9 à chaque consultation. On fait un scanner thoracique abdominopelvien tous les 6 mois. On fait une coloscopie dans l'année, alors à 3 mois si elle a été incomplète, sinon on la fait à 1 an, puis ensuite tous les trois à 5 ans en fonction du résultat. Échoendoscopie, IRM, PET scanner, pas de façon systématique, sauf si vous avez un doute. Voilà pour globalement pour le cancer du rectum. Vous avez ici, vous avez les deux. Ce qu'il faut, à mon avis, avoir, c'est le TNCD, c'est-à-dire qu'il faut lire le TNCD. Et vous verrez que dans le TNCD, bien, on parle des nouveaux traitements néoadjuvants. Et puis, vous avez aussi les recommandations HAS du cancer du rectum qu'il faut pouvoir. Voilà, vous pouvez lire ces deux recommandations, les recommandations et le TNCD. Est-ce qu'il y a des questions, les amis, les externes? Alors, comment je fais là pour… Est-ce qu'on peut avoir le diapo Est-ce que vous pouvez nous l'envoyer par mail et on le partage entre nous ou... Bien sûr, ce que je fais, c'est que demain, j'envoie le… Vous aurez comme ça, vous aurez toutes les diapos avec plus de… des quelques diapos que j'ai sautées qui sont… des diapos de chiffres pour avoir une idée. Je donne ça aux externes du service demain en PDF et puis ils vous l'envoient. J'entends pas. Elle dit qu'elle a une question, mais vite fait. Juste une question pratique. Si on enlève le rectum au patient, mais qu'on garde, on fait une anastomose entre le côlon et l'anus. Oui. C'est-à-dire que le patient, il a, comment ça, dans sa vie tous les jours, il a plus du tout de moyens de retenir ses selles. Enfin, comment ça marche? Ah non, mais en fait, c'est une super question. En fait, le fait de se retenir ou pas se retenir ne dépend pas du rectum lui-même, dépend du sphincter. C'est-à-dire que si tu contractes les fesses, tu as un tonus sphinctérien. C'est le sphincter externe. On est d'accord avec ça? Oui. Et la partie très très basse du rectum, sur 1 ou 1,5 cm, c'est le sphincter interne qui permet d'assurer la continence, notamment la nuit. Mais le rectum en lui-même, c'est une ampoule. Oui. Et finalement, quand tu sutures le côlon à l'anus ou à la partie très basse du rectum,
il y a quelque chose dont se plaignent tout le temps les malades, tout le temps, c'est ce qu'on appelle le fractionnement des selles. Le fractionnement des selles, c'est je vais aux toilettes, 5 minutes après, ben, je veux y retourner, 5 minutes après, j'y retourne, parce qu'en fait, les selles, elles descendent dans le côlon. Elles descendent jusqu'à l'anus, elles descendent par pesanteur. Et en fait, le malade a besoin d'aller 5, 6, 7, 8 fois aux toilettes pour vider son côlon. Mais une fois que son côlon est vidé, ben finalement, après, il a une vie normale. C'est donc le fractionnement des selles. Mais on est bien d'accord que il y a certains malades qui te disent… Non, mais moi, je préfère avoir un fractionnement. Ce que je veux, c'est je ne veux jamais entendre parler de stomie. C'est-à-dire que donc, en fait, c'est l'ablation du rectum pour un cancer et on évite le fait d'avoir une stomie définitive qui est quand même un handicap autrement plus lourd que d'avoir un fractionnement des selles. Donc, le malade, il a une continence qui est quasiment normale, un tout petit peu diminuée, mais c'est surtout le fait de ne pas pouvoir… Il peut, quand il a envie d'aller aux toilettes, il se retient, il a son sphincter, il peut aller aux toilettes. Mais le fractionnement des selles, c'est je vais aux toilettes, ah, ben j'ai envie d'y retourner, hop, j'y retourne, 5-6 fois le temps que le côlon se vide bien. Et puis après, on peut aider les malades avec des traitements pour diminuer le fractionnement des selles, on peut épaissir les selles, on peut aussi faire ce qu'on appelle des irrigations coliques. Donc finalement, tu t'aperçois que la qualité de vie des malades qui ont eu l'ablation du rectum, alors bien évidemment, elle n'est pas si mal, elle est par définition biaisée parce que tu leur as enlevé le cancer et évité une poche définitive. Mais finalement, tu peux avoir une vie normale. Tu vois, j'ai opéré il n'y a pas très, très longtemps, il y a 2 ans, un de mes collègues qui aujourd'hui est chef de clinique et il a une vie normale. Voilà, il a eu des enfants, il a eu un enfant et voilà. Donc, on peut vivre normalement sans rectum. Hein. D'accord. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?